Mais où est passé Arya? Il n'y a aucun signe de sa présence. Tout cela est très étrange. On dirait qu'il n'y a personne dans les environs. Professeur, regardez! Regardez! Il y a une nouvelle histoire! Cela veut dire que le défilé a déjà eu lieu. Vite, lisons ce qui est écrit. La dernière histoire. À l'endroit où tout devait toucher à sa fin, lorsque le crépuscule fit place à l'obscurité, l'auteur de l'histoire rencontra la grande sorcière pour la première et dernière fois. La scène finale luisait grâce aux flammes d'une puissante magie, tandis que le narrateur fut réduit au silence éternel. Ce soir-là, lors de l'ultime procès de sorcière, la grande sorcière fut dévorée dans ses propres flammes. La cité, enfin libérée des chaînes de l'histoire et de la sorcellerie, connut alors un nouveau départ. La nouvelle cité, libérée de ses maux, put se reconstruire avec l'espoir d'un futur meilleur. Est-ce que vous comprenez la même chose que moi? Et c'est pas possible. Est-ce que c'est ce que cette grande sorcière voulait dire? Je n'en suis pas sûre, mais nous devons absolument retrouver Arya au plus vite. Devrions nous séparer pour aller plus vite, si seulement nous avions un indice. Thor dit à l'endroit où tout touchait à sa fin. Le défilé se termine toujours sur la place du Beffroi. Quant à l'auteur, il semble évident qu'il s'agit du père d'Arya. Le fait qu'il soit réduit au silence éternel semble indiquer qu'un sort tragique lui est réservé. Si je comprends bien, il y a de fortes chances qu'Arya se rende sur la place du Beffroi. Exactement, monsieur Wright. C'est là que nous devons nous rendre si nous voulons la retrouver. On dirait que tous les citadins sont là. Ils veulent tous voir la dernière histoire de leurs propres yeux. Professeur Vita, je me demandais quelque chose au sujet de la dernière histoire. Pourquoi est-ce que la grande sorcière Arcana apparaîtrait ce soir? Oui, je me suis posé la même question. Elle ne s'est jamais montrée en public jusqu'à présent. Est-ce que cela signifie que l'histoire peut même contrôler la grande sorcière? Oui, et ce que je trouve plus étrange encore, c'est que le narrateur écrive sa propre fin. Et en effet, il y a encore beaucoup d'énigmes à résoudre au sujet de la fin de cette histoire. Pour l'instant, nous avons d'autres problèmes plus urgents à considérer. Tout à fait, nous devons d'abord retrouver Arya. Ah! On a les petits enfants là. Tu dois te cacher, tu sais que tu vas échouer. Non, c'est pas vrai. Eve veut pas me café. Et tu sais très bien que si je regarde la vérité en face pour une fois. Non, je vais réussir. Tu verras. Je vais devenir un chevalier. Et si je te dis que je vais te protéger, je le ferai.
transe. Ouh, il a peur. Oh, le défilé était très différent cette fois-ci, hein. Ah non, l'inquisitrice était absente et l'inquisiteur Garnett avait l'air nerveux, hein. En plus de ça, ils ont dit que c'était la dernière histoire. Mais qu'est-ce que nous allons devenir à présent? En panique. Comment allons-nous faire pour retrouver Aria au milieu de cette foule? Oh, oh, regardez là-bas, c'est le narrateur! L'heure est venue à présent. Il est temps de mettre un terme à toutes ces malédictions et à la sorcellerie. La grande sorcière Arcana va apparaître et l'histoire de la nuit la plus longue va débuter. Préparez-vous à assister au nœud dramatique de cette histoire. Mais cela veut dire que nous allons perdre notre narrateur. Pourquoi doit-il être sacrifié? Ne soyez pas triste. Les histoires que j'écris ne sont rien d'autre que le récit du destin lui-même. Nous sommes tous à sa merci. Quoi que nous fassions, personne n'y échappe. Je ne suis qu'une personne parmi toutes les autres présentes ce soir. J'affronterai mon destin. Oh, monsieur le narrateur! Monsieur le narrateur, continuez à écrire notre histoire, s'il vous plaît. Ça ne me dit rien qui vaille. Il commence à faire nuit et l'histoire disait que ça aurait dû à la tombée de la nuit. À l'endroit où tout devait toucher à sa fin. Nous n'avons toujours pas retrouvé Aria. Oh, regardez ça! Hein? Il y a quelqu'un au sommet de la tour! Quoi? Au sommet de la tour? Regardez, il y a quelqu'un là-bas! Regardez tous! La grande sorcière Arcana nous a rejoints! Il est temps de mettre un terme à toute cette histoire! Est-ce que c'est bien elle? La grande sorcière Arcana? Oh! Mon existence va s'achever ici et maintenant. Quant à la sorcière, elle sera arrêtée et la paix régnera à nouveau sur cette cité. Draconis! Monsieur Wright, vite, suivez-moi! Aria... Alors comme ça, c'était bien vous, la grande sorcière Arcana? Une sorcière redoutable, qui s'attaque même à son propre père. Levez-vous et tenez-vous devant nous, grande sorcière Arcana! Hmm.
Aria. C'est pas possible. Aria, je n'arrive pas à le croire. Aria, est-ce que ça va? Aria? Tout va bien, Aria? Elle a l'air éveillée et pourtant, elle ne répond pas. Que s'est-il passé ici? Oh! Ici, Eva? Eh, dis-moi, Eva, est-ce que tu étais avec Aria pendant tout ce temps? Est-ce que tu peux me dire ce qui s'est passé? Oui, parce que Luc parle aux animaux. Qu'est-ce qu'elle a dit, Luc? Elle m'a rien dit. Ah, super. Veuillez reculer, je vous prie. N'approchez pas la grande sorcière Arcana, c'est dangereux. Elle sera sous la garde de l'Ordre des Chevaliers jusqu'au début de son procès. Emmenez-la! Oui, monsieur! Mais vous avisez pas de faire de mal à rien! Dites, vous ne l'avez pas vu invoquer un dragon de feu tout à l'heure? Oui, mais même, nous ne sommes pas sûrs que ce soit bien elle, Arcana. C'est vrai, hein, peut-être que quelqu'un l'a assommée. Et la conduite ici pour créer une mise en scène, hein. Ce n'est pas possible. Nous autres miliciens, nous étions les premiers à arriver sur les lieux. Lorsque nous sommes arrivés, cette femme était la seule personne à se trouver ici. Nous pouvons tous le confirmer. Les choses ne sont pas toujours aussi simples qu'elles en ont l'air. Vous n'avez pas encore inspecté l'endroit où a eu lieu l'incident, je me trompe? Pas besoin. Ce qui s'est passé ici est évident. Eh oh, dépêchez-vous d'amener cette femme en prison avant qu'elle ne reprenne ses esprits pour de bon. Mais on dirait qu'il y a de l'agitation en bas. Quoi? Touchez pas à cette jeune fille, je suis de sa famille. Eh, vous là, ça suffit, hein. Enlevez vos sales pattes d'arrière, vous m'entendez? Oh, Madame Madeleine! Ah, il y a Phoenix! Qui est cette personne qui l'a laissé venir ici? Emmenez-la sur le champ! Oui, monsieur! Ne me touchez pas! Prenez ça! Mais qu'est-ce que c'est que cette poudre blanche? Et ma farine la plus fine! Vous devriez vous estimer heureux que ce ne soit que ça, espèce de jeune insolent. Boulangère effrontée. Allez-y, sortez votre épée. J'ai pas peur. Je vais vous montrer que le rouleau à pâtisserie est plus puissant que l'épée. Et pas mieux à faire que passer votre temps à intimider les gens. Et quel goujat. Ok, mais qu'est-ce qui tourne pas rond chez vous à la fin? Je comprends votre colère à toutes les deux, mais je vous prie de garder votre calme, s'il vous plaît. Professeur! Nous sommes les seuls à pouvoir découvrir la vérité et à pouvoir sauver Aria. Il a raison, c'est pour ça que nous devons rester calmes et planifier notre prochaine action. Oui, je sais bien, Phoenix. Dire que le Phoenix que j'ai connu s'épanouissait simplement en faisant du pain jadis. Bien, nous allons nous retirer. Ah, il serait grand temps, oui. Aria, oh ma petite Aria, j'ai toujours confiance en toi. Bon, emmenez-la maintenant, sur le champ. J'ai bien peur que ce soit pas possible pour le moment, monsieur. Hein. Et pourquoi ça? Tout à l'heure, une des nouvelles recrues s'est un peu fourvoyée et a verrouillé la porte d'entrée, en fait. Personne ne peut quitter la tour pour le moment. Quoi? Mais quel imbécile a pu faire une chose pareille? Nous a ordonné d'emmener la jeune femme en salle d'interrogation le plus vite possible. Le procès de la grande sorcière commence ce soir. Tout est déjà en train d'être préparé sur la place du Beffroi.
n'avons pas de temps à perdre. Entendu, monsieur, je vais me charger de ce problème, hein. Peu importe, amenez-moi la sorcière. Ils sont arrêtés à rien, ça y est. Ça m'agace vraiment de les voir emmener comme ça, hein. Du calme, Luc. Notre moment viendra. Nous serons alors en mesure d'agir et de prouver son innocence. Le désordre règne encore dans toute la cité. Ah oui, il y a des miliciens et des chevaliers partout. Le chef des miliciens indique que le procès aura lieu ce soir, c'est bien ça? En effet, c'est ce qui était décrit dans l'histoire du narrateur. Et qu'est-ce qui va se passer? Maintenant qu'il n'est plus là pour en écrire d'autres. N'y comprend vraiment rien. Respectable narrateur, est-ce bien ainsi que vous souhaitiez que l'histoire se termine? Comment pouvez-vous condamner votre propre fille à un tel sort? Inquisiteur Garnett, nous avons arrêté la grande sorcière, hein. Vous en avez mis du temps. Combien de temps il vous faut pour parcourir 20 mètres? Eh, pardon, monsieur. C'est la faute des miliciens et ils ont tardé à nous la remettre. Je me fiche de vos excuses. Vous vous rendez bien compte que d'après la dernière histoire, le procès de la grande sorcière doit avoir lieu ce soir. Ah oui, monsieur, le tribunal spécial est déjà en train d'être installé, hein, comme prévu, hein, sur la place du Beffroi. Je voulais obtenir le plus d'informations possible avant que cela ne commence. Il reste très peu de temps. Allons. Alors ne tardons pas davantage. Eh, monsieur, vous avez entendu les ordres? En avant! Arrêtez! Ne traitez pas l'accusé de cette façon. Un peu de respect. Oui, monsieur. Pardon, monsieur. Ouais, c'est juste qu'elle est accusée d'être... Je le sais bien. Mais justement, pour le moment, elle n'est qu'accusée. Rien n'a été prouvé. Oui, inquisiteur Garnett. Cette femme ne doit pas être traitée comme étant une sorcière tant qu'elle n'a pas été jugée coupable. C'est compris? Oui, monsieur. Aria Novella. J'aimerais entendre la vérité de votre bouche. Êtes-vous réellement la grande sorcière Arcana? Je... Allez la préparer pour l'interrogatoire. Je vous rejoindrai d'ici quelques minutes. Ça ne sera pas nécessaire. Inquisitrice Aurora. Et vous dit? J'ai dit que ça ne sera pas nécessaire. Voyez-vous, ce soir, vous ne serez pas présent lors du procès. Quoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qui d'autre? Qui va prendre ma place? Il va de soi que pour le procès de la grande sorcière, seule la grande inquisitrice est de taille à remplir ce rôle. Quoi? Vous voulez dire que... Je dis que c'est moi, grande inquisitrice Aurora, qui me chargerai de mener à bien le procès d'Arcana. Est-ce clair, Garnett? Et puis-je savoir ce que la grande inquisitrice manigance au juste? Qu'est-ce que vous insinuez par là? Je vous ai suivi jusqu'à ce que j'arrive à une mystérieuse forêt. Lorsque je suis arrivé là-bas, j'ai eu beaucoup de gens étranges. Ils entouraient une personne portant une robe qu'ils appelaient la grande sorcière. La sorcière portant un masque et une robe, c'était vous, n'est-ce pas, inquisitrice Aurora? Ah, qu'est-ce que vous dites? Je crois que la mentalité de Garnett a changé depuis la première rencontre en procès. Ah oui, oui. Bah là, il se pose des questions quand même, parce que... Il se dit, c'est étrange. Et puis en effet, là, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il a vu des personnes qui entouraient une autre personne qu'il protégeait en disant que c'était la grande sorcière. Alors, il a des doutes. C'est une théorie très intéressante. J'imagine que vous n'avez aucune preuve de ce que vous avancez. Eh bien... J'imagine que vous avez retiré le masque de cette personne afin de l'identifier clairement. N'est-ce pas, Garnett? Alors, j'attends.
Je n'ai rien pu prouver. Parce que j'ai perdu connaissance à cause du sort qu'elle m'a lancé. Ah oui ? Dans ce cas-là, Inquisiteur Garnett ? J'ai bien peur que les propos que vous venez de tenir ne soient considérés comme une trahison. Or, trahir la grande inquisitrice, c'est aussi trahir le narrateur. Hé, hey, vous là ? Oui, madame ? Arrêtez William Garnett pour trahison. Oui, mais de quoi ? Assurez-vous qu'il ne vous échappe pas. Je vais vous accompagner pour m'en assurer. Préparez les chevaux. Oui, madame. À vos ordres, madame. Ne bougez pas d'ici, Garnett. Je n'y crois pas. Je ne peux pas le croire. Je ne peux pas croire qu'Ariane Ovella soit la grande sorcière Arcana. Mince. Pourquoi a-t-il fallu que... Inquisiteur Garnett, je regrette d'avoir à faire une chose pareille. Arrêtez le grand défenseur de l'Abyrinthia. Ne vous excusez pas. Vous ne faites que votre devoir, rien de plus. Mais, monsieur... Ah, Brasier n'est pas content. Hein. Brasier ? Que veux-tu ici ? Mon fidèle compagnon. Je crois que la carrière de ton maître touche à sa fin. Un grand dessein m'était destiné. Mais à présent, je ne suis plus en mesure de l'accomplir. C'est bien dommage. C'est tout à fait pitoyable. L'inquisiteur Garnett, naguère si puissant, faisant part de ses regrets à son chien. Oh. Puis-je vous demander quel était ce grand dessein dont vous parliez à l'instant ? Découvrir la vérité. Tout simplement. La vérité. Ça ne me serait jamais venu à l'esprit avant que je ne rencontre l'apprenti avocat et l'homme au chapeau noir. Est-ce qu'Ariane Ovella est vraiment la grande sorcière Arcana ? Pourquoi le narrateur écrirait-il une histoire dans laquelle sa propre fille se fait exécuter ? En tant que défenseur de cette cité, je dois découvrir la vérité. Inquisiteur William Garnett, laissez-moi vous dire une chose. Vous n'étiez pas capable de découvrir la vérité, et je vais vous expliquer pourquoi. Allez-y. Vous êtes quelqu'un de compétent, cependant, il vous manque une qualité importante. Plaît-il ? Vous manquez de détermination. Que voulez-vous dire ? Afin de découvrir la vérité, vous étiez prêt à courir un risque immense en me suivant jusqu'à cette forêt. Je ne vous reproche pas de l'avoir fait. Vous avez estimé que c'était votre devoir de chevalier. Mais c'est aussi votre problème. Pourquoi ne pas être allé encore plus loin ? Et remettre en cause le narrateur lui-même. Quoi ? Il faisait ! Aucun chevalier ne devrait mettre en doute l'intégrité de son seigneur. D'où votre échec. Votre sens du devoir aveugle votre jugement. Comment ? Vous savez la tour, celle dans laquelle réside le narrateur. En son sommet se trouve une petite pièce dans laquelle vous auriez pu trouver toutes les réponses que vous cherchez. Comment ? Mais... quoi qu'il en soit, il est trop tard pour agir à présent. Peut-être devriez-vous passer le flambeau à votre fidèle compagnon à quatre pattes ? Oh. Bien, il est temps d'y aller, Inquisiteur Garnett. À partir de ce soir, vous allez croupir dans une cellule froide et obscure, seul. Cela vous permettra peut-être de vous calmer un peu.
enfin, j'ai cru que nous ne sortirions jamais de cette tour. Ah oui, c'est vrai, je me demandais même si nous en sortirions sains et saufs. Nous n'avons plus beaucoup de temps avant que le procès d'Ariane commence. Voyons si nous parvenons à trouver des indices. Oui, inspectons les lieux. Si vous le voulez bien, j'aimerais vous laisser le soin de le faire. Bien sûr, professeur, mais qu'allez-vous faire alors? Il y a un autre endroit que j'aimerais aller inspecter. Ah oui, lequel? Mon Dieu, Brasier a quelque chose à nous dire. Oh, Brasier! Mais d'où est-ce qu'il sort? Je préférais ne pas le voir débarquer comme ça. L'air bien agité. Qu'est-ce qui lui arrive, Luc? Je sais pas trop, je vais lui demander. Merci, c'est très gentil. Ouah! Mais non, c'est pas possible! Qu'est-ce qu'il y a, Luc? On dirait que tu viens de voir un fantôme. Et dis-nous ce qu'il t'a dit, s'il te plaît, Luc. Il a dit que son maître, l'inquisiteur Garnett, a été relevé de ses fonctions. Ouah, l'inquisiteur Garnett? Mais pourquoi? Il est accusé de trahison envers le narrateur. L'inquisiteur Garnett, un traître? Tout surprenant. Il est un peu trop rapide à mon goût. C'est vrai, qui va prendre sa place lors du procès de ce soir? Vas-y, a dit que ce sera la grande inquisitrice Aurora en personne. L'inquisitrice Aurora? Cette histoire prend un tour encore plus sinistre. Nous devons absolument reprendre nos enquêtes respectives sans plus attendre. Un instant, professeur. Je crois que Brasier a encore quelque chose à dire. Très bien, nous t'écoutons avec attention, Brasier. Il veut nous montrer le chemin. Et pour aller où? Mais il veut nous conduire à la tour du narrateur? Ah oui, pourquoi ça? Selon lui, il y a un indice crucial à y trouver. Quoi? Bon, eh bien, quelle chance! Hein? Que voulez-vous dire? C'est exactement là-bas que je voulais me rendre pour mener mon enquête. Vraiment? Pour l'instant, tout le monde a son attention rivée sur la place du Beffroi. Il sera donc plus facile d'entrer dans la tour pendant que les gardes sont occupés ici. En tout cas, ce que j'espère. Je crois que vous avez trouvé une faille, professeur. N'est-ce pas la tour dans laquelle vivait Aria il y a bien longtemps? Je me demande quel genre d'indice on pourrait y trouver. Peut-être que l'indice en question a un lien avec le passé d'Aria. Brasier dit qu'il connaît un raccourci qui nous mènera directement à la tour du narrateur. Il a ajouté « Suivez-moi, l'homme au chapeau élégant !» Bien, Monsieur Wright, séparons-nous en deux groupes. Très bien, professeur. Faites bien attention, surtout. N'en faites pas. Je vous promets de revenir et avec une preuve imparable. Nous attendrons votre tour avec impatience. Nous nous préparons pour le procès. Right. Tenez-vous bien de ce que disait la dernière histoire. La cité, enfin libérée des chaînes de l'histoire et de la sorcellerie, connut alors un nouveau départ. La nouvelle cité, libérée de ses maux, put se reconstruire avec l'espoir d'un futur meilleur. Cette histoire se termine vraiment comme il a été prévu. Aria devrait aussi pouvoir voir ce nouveau départ. Tout à fait d'accord avec vous, professeur. Battons-nous pour que ce soit le cas. À très bientôt, monsieur Wright. Allons-y, Luc. Oui, professeur. Allez, Brasier. Montre-nous le chemin. Bon, commençons par inspecter les lieux de l'incident.
n'avons que quelques heures avant le début du procès. Il va falloir faire vite. Oui. Je suis sûre que le professeur trouvera des indices qui nous aideront à mieux comprendre ce qui se passe ici. À nous d'en faire autant de notre côté pour ne pas le décevoir. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, Maya ? Rien, je me fais du souci pour elle. Son regard était vitreux, un peu comme la dernière fois. La dernière fois ? Oui, comme lorsque nous l'avons rencontrée à Londres. Elle avait l'air absente comme c'était le cas ce jour-là. Maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'on aurait dit qu'elle était sous l'emprise d'une substance ou d'un sortilège. C'est un scandale, hein ! Je supporterai pas de les laisser lui faire du mal sans intervenir. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Maya. Bon, allons-y, Nick. Alors, le beffroi. Il y a encore beaucoup de monde par ici. Oui, ça me paraît normal au vu des récents événements. Mais on dirait qu'il y a moins de chevaliers par contre. Nick, attention! Poussez-vous, poussez-vous! Mais... Aïe! Mais quelle mauviette! Comment ça se fait qu'un petit coup comme celui-ci vous fasse valdinguer comme ça? Eh bien, je suis désolé, mais... Non, mais il me bouscule, et en plus de ça, ça va être de ma faute si je me blesse. Bon, j'avoue que j'ai été surprise, Nick. Tu as bien dû voler à 2 ou 3 mètres, hein. Je pense que ce genre de choses arrive quand un type en armure d'acier percute quelqu'un qui ne s'y attend pas. Bon, de toute façon, on n'avait rien à faire ici. L'accès à cette zone n'est pas autorisé. Eh bien... Nous sommes ceux qui vont défendre Aria Novella lors de son procès. Oh, alors vous devez être l'apprenti avocat dont tout le monde parle. Oui, c'est bien lui. Oui, voilà, je suis l'apprenti avocat. Ouais, bon, je vous trouve pas si impressionnant que ça, hein. Merci, ça me va droit au cœur. Bon, vous êtes libre d'inspecter les environs. Les préparatifs pour le procès ont déjà commencé sur la place du Beffroi. Nous autres miliciens sommes chargés de surveiller la zone, alors tâchez d'éviter de vous en approcher. Ah, il est déjà parti ! Eh Nick, on dirait que tu es devenu une sorte de célébrité à l'Amirantia. Pas sûr que célébrité soit le mot qui convienne, hein. Qu'est-ce qu'il y a, Nick ? Je crois que le milicien qui m'a percuté a fait tomber quelque chose. Qu'est-ce que c'est ? C'est une sorte de rapport de patrouille. Un rapport ? D'après ce qui est écrit ici, ils ont effectué des gardes pour assurer la sécurité du beffroi jour et nuit. Mais alors ils ont gardé la tour sans interruption ? Mais pourquoi ? Aucune idée. Le plus étrange dans cette histoire, il est écrit qu'il était gardé au moment même où l'incident a eu lieu. En gros, personne n'aurait pu accéder au beffroi par l'entrée conventionnelle. Exactement. Je pense qu'on devrait garder ce rapport sous le coude, ça risque de nous être utile plus tard. Bon, allons voir les lieux de l'incident. Oui, avant qu'un autre de ces hurluberlus ne vienne me foncer dedans. C'est encore exactement dans le même état que juste après l'incident. Même la farine que Madame Madeleine a lancée aux miliciens est encore éparpillée sur le sol. D'ailleurs, elle était plutôt impressionnante, hein. Elle tenait tête à des miliciens armés. Elle n'avait que de la farine et un rouleau à pâtisserie. Ça montre à quel point Madame Madeleine ne tient à rien. Oui, et après tout, Aria est un peu comme sa propre fille. Et nous devons aider Aria pour Madame Madeleine aussi. Bien sûr. Bon, pas de temps à perdre alors. Commençons à examiner cet endroit. Alors déjà, il y a plein de choses. Il y a la cape. Je me demande ce que c'est.
dirait une tunique. Une tunique ? Ah, ça me rappelle un peu les tuniques que portent les gens qui vivent dans les bois enchantés. Vas-y, Nick, essaye-la, allez ! Non mais tu plaisantes, ce truc-là est complètement trempé et je vais pas l'enfiler, c'est dégoûtant. En plus, il y a plein de farine dessus. Oui, tu as raison. Elle est plutôt dans un sale état. Ça va pas être de la tarte d'enlever toute cette farine maintenant qu'elle est collée à la tunique mouillée. Il y a quelque chose qui me gêne un peu au sujet de cette tunique. Ah bon ? Oui, quand nous sommes arrivés ici pour la première fois juste après l'incident, il n'y avait rien de ce genre qui traînait par terre. Je sais plus trop. Je me souviens pas l'avoir vu, cela dit. Il y avait le bijou, mais il n'y avait pas la cape. Cette tunique est plutôt grande, même moi je pourrais la porter. Eh bien dans ce cas, c'est sûrement pas celle d'Aria, elle est tellement petite et frêle. Oui, bon, mettons-la de côté, ça peut toujours servir. Hé, fais un peu attention quand tu manipules ce truc, c'est trempé. Ouais. Alors, il y a le bijou. Regarde ça, c'est un talisman. Chaînette en cuir est cassée. Non, mais c'est... C'est le talisman d'Aria. Mais oui, je me disais bien que j'avais déjà vu ça quelque part. Il travaille sur lui avec quelqu'un d'autre ne le trouve. Vite, mets-le dans ta poche. Ça va, ça va. Donne-moi une minute. Ok. Là, il y a un bout de papier. Tiens, on dirait un plan du beffroi. Ah oui, c'est drôle, je me souviens pas l'avoir vu tout à l'heure. Parce que les musiciens s'en sont servis pendant leur enquête et qu'ils l'ont laissé là en partant. D'après le plan, il y a une cloche au sommet du beffroi. Ça paraît plutôt logique, hein. C'est le bâtiment le plus élevé de l'Abyrinthien. L'endroit idéal pour placer une cloche. Oui, mais... Vois pas l'escalier menant à l'étage où se trouve la cloche. Ah oui, c'est pas faux. Ah, c'est vrai, t'as raison. Personne ne fait sonner la cloche. Ah, quoi qu'il en soit, je trouve que ce plan est plutôt utile. On devrait le garder. Compte garder tout ce que tu trouves par terre, Maya. Si ça peut aider une santé à rien, oui, bien sûr. Est-ce que tu peux être étroit d'esprit parfois? Maman toujours réponse à tout, hein, décidément. Ça qui est bizarre. Non, on dirait une sorte de mécanisme. Qu'est-ce que ça fait là? Qu'est-ce que ça contrôle? Mais alors, il devrait y avoir des boutons ou des commandes, non? Oh mais, qu'est-ce que c'est? Ah, ça ressemble au talisman. Il y a une fente ici. On dirait que c'est fait pour qu'on y place un objet. Ah, bien vu, Maya. Je crois que j'ai déjà vu quelque chose de la forme de cette fente. Ah, mais je reconnais cette forme, c'est celle du talisman d'Aria. Ah, mais oui, t'as raison. Je savais que j'avais déjà vu quelque chose comme ça quelque part. C'est vraiment très étrange. Pourquoi est-ce que le talisman d'Aria correspondrait à cette fente? Oui, on le demande aussi. Bon, le seul moyen de savoir, c'est de placer le talisman dans la fente et de voir ce qui se passe. Oui, c'est vrai. Parce que... faire de mal à personne d'essayer. Un instant. Oh. Un petit instant, l'apprenti avocat suspect. Qui, moi? Qu'est-ce que vous allez lancer au juste? Et on fait que mener notre enquête, rien de plus.
Ah, vous croyez pouvoir vous jouer de moi comme ça, l'objet que vous venez de ramasser à l'instant, là ? Celui que vous tentez de cacher en ce moment même, c'est quoi au juste ? Oh, ça, c'est un talisman. Ça n'a absolument rien à voir avec l'enquête en cours. Ça suffit comme ça. J'ai tout vu, chacun de vos mouvements, depuis le début et maintenant encore. C'est la pièce à conviction que j'avais prévu de revenir chercher et de ramener. Bah je l'ai vu, moi aussi, hein. Bah moi aussi je l'ai vu, hein. Bon, assez perdu de temps, donnez-la moi tout de suite. C'est une importante pièce à conviction. Quel monde ingrat. Mais non, le talisman n'a rien. Ils nous l'ont pris comme ça. Je vais devoir faire un rapport à la grande inquisitrice à ce sujet, hein. Ouais, moi aussi, je vous accompagne, chef. Moi aussi. Ouais, moi aussi. Ouais, ils sont tous partis faire leur rapport. Ils ont pris le talisman d'Aria. Moi qui comptais lui rendre la prochaine fois que je la reverrai. Mais en plus, j'avais tellement envie de placer le talisman dans la fente et de voir ce qui allait se passer. Qu'allons-nous faire à présent ? Un mécanisme si complexe ne peut pas être qu'un simple élément de décoration. Il ferait mieux d'ajouter ce mécanisme aux objets pour pouvoir y revenir plus tard. Votre attention tout le monde ! L'installation du tribunal spécial est terminée. Appelez la grande inquisitrice, nous devons préparer le procès. Pour les citadins viendront assister au procès de ce soir. Ainsi, nous nous préparons à accueillir une foule immense. Que tous les officiers se tiennent prêts. Faisons en sorte que le dernier procès reste dans les annales de l'Amirantia. Nick ! Nous n'avons plus le temps, Maya. Notre enquête s'achève ici. Tu crois que nous allons y arriver ? Enfin, je veux dire, nous n'avons pas eu le temps de terminer. Nous avons fait ce que nous avons pu. Allons-y, Maya. Je pense qu'ils vont bientôt emmener Aria à la salle d'attente des accusés. Tu sais, Nick. Quoi ? Je me disais l'autre fois que... ce n'est vraiment pas un hasard si nous nous sommes retrouvés à la Biracia. Maya. Nous sommes ici pour mener à bien le procès qui se tient ce soir. Je suis bien d'accord avec toi, Maya. C'est sûr que le professeur Letton et Luke pensent la même chose. Nous avons trouvé la preuve de l'innocence d'Aria. Oui, tu as raison. Nous n'avons pas le droit à l'erreur ce soir. Montrons-leur ce qu'on sait faire. Oui, c'est parti. Nous nous battrons jusqu'au bout pour sauver Aria. Professeur ! Qu'y a-t-il, mon garçon ? Qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé tout à l'heure ? Eh bien, si nous nous fions aux apparences, le narrateur était attaqué par Aria Novella. Oui, mais... Cela dit, les apparences peuvent parfois être trompeuses. Si Aria est innocente... il doit y avoir une preuve qui en atteste. À nous de la trouver. Oui, vous avez raison. Je suis sûre que Monsieur Wright ne manquera pas la moindre preuve. J'en suis certain. Pendant qu'il inspecte le lieu de l'incident avec Maya, nous nous chargerons de mener l'enquête par ici. Je pense que la tour du narrateur pourrait bien renfermer des indices décisifs. En combinant ainsi nos efforts, nous ne devrions pas avoir trop de difficultés à faire éclater la vérité. J'espère vraiment.
J'ai passé beaucoup de temps en compagnie d'Aria depuis mon arrivée ici. Et je la connais assez bien pour savoir qu'elle ne ferait jamais quoi que ce soit de mal. J'ai une totale confiance en elle, professeur. Je le sais bien, Luc. Nous sommes ses amis les plus proches. Nous devons croire en elle. Oui. Bien, passons la porte du poste de garde. Mais la porte, elle est verrouillée. Et il n'y a aucun chevalier. Comment allons-nous faire pour entrer? Heureusement, Brasier est là. Mais qu'est-ce qu'il y a, Brasier? Oui, je vous rappelle que Luc parle aux animaux. Donc, waf waf, hein, qui signifie je ne sais quoi. Ah, super, merci! Il a dit qu'il y a une autre entrée que seuls les chevaliers utilisent. Comme quoi, un waf waf peut dire une phrase entière. Hein. C'est pas mal foutu, quand même. C'est une excellente nouvelle. Pourrais-tu nous montrer le chemin, Brasier? Parce que ça veut dire oui. Ah! Tiens, tiens, tiens! Notre copine! Ah, ça se trouve, on a plein de... Ça dépend s'il a un accent. Oui, c'est vrai. Suivant l'accent, ça peut dire tout et son contraire. À notre ami, ça se trouve, il y a des énigmes qu'on peut récupérer, là. Qu'on a oublié de faire ou qu'on a loupé. Bonsoir, monsieur Layton. Cela fait longtemps que je ne vous avais pas vu. Oui, c'est vrai, Mystère. Mais je dois avouer que je suis surpris de vous voir ici. Vu que j'ai assisté au défilé du narrateur, j'ai beaucoup de mal à rester dans ma bibliothèque. Cela dit, errer sans but dans toute la cité ne s'est pas avéré plus utile non plus. Au moins, le fait de vous avoir rencontré aura donné un certain sens à ma promenade. Vous voulez consulter des énigmes non résolues ou des énigmes non découvertes? N'hésitez surtout pas à me le dire. Ah bah oui, oui, oui. Je peux vous en proposer quelques-unes tout de suite. Bah je veux bien parce que on en a peut-être loupé. Diriez-vous de résoudre quelques énigmes? Ça aide toujours à se détendre, surtout dans les périodes de stress. Ah bah on a tout fait, 60 sur 60. Ah bah voilà, bah tu sers à rien. Si vous voulez résoudre des énigmes, vous n'aurez qu'à venir me voir. On n'a pas besoin. Merci. Voilà. Hop, terminé. Alors, je sais pas s'il y a des petites choses. Non, il n'y a rien. Bon, bah, en tout cas, ça fait plaisir de la voir, hein, même si on a fait... Bah, du coup, on a loupé aucun mini-jeu. Ça, c'est cool. Alors, Brasier veut nous faire passer par là. Ok. Attendez, c'est par là qu'il voulait nous faire passer, Brasier ? J'ai pas compris. Il veut nous emmener là ? J'ai pas compris. Ah oui. Tu aurais cru que le narrateur connaîtrait une fin pareille ? Ah, j'ai toujours du mal à le croire, en fait. Qu'est-ce qu'on va devenir maintenant ? J'en ai aucune idée, moi. Et puis, y a pas que ça, l'inquisiteur Garnett, il va devenir quoi? Il est accusé de trahison tout de même, hein? Oh, tout ça n'est qu'un énorme casse-tête. Le futur n'a vraiment pas l'air prometteur. Alors, là, je ne sais pas qui parle. Vous n'avez pas honte de vous plaindre comme des fillettes? Non, mais quel genre de chevalier êtes-vous, au juste? Ah, c'est lui. Oh, capitaine! Le narrateur a disparu, l'inquisiteur Garnett s'est fait arrêter! À votre avis, qui en souffle le plus? Et pas vous, ce sont les citadins. Ils ont besoin de nous plus que jamais. Nous devons nous montrer forts pour eux. Ah oui, monsieur, vous avez raison. Dans une telle situation, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Vous me faites de la peine. Tiens, n'est-ce pas... Il semblerait que même les chevaliers soient perdus. Va-t-il advenir de l'Abyrinthia à présent? D'après l'histoire, tout va rentrer dans l'ordre et l'Abyrinthia connaîtra une nouvelle ère. Je pense qu'il est un peu trop tôt pour perdre espoir. J'espère que vous avez raison. Tâchons de faire en sorte que cela se passe comme ça, professeur. Oh, quelqu'un approche! On dirait que c'est...
Qu'est-ce que vous faites ici ? Nous nous rendons à la tour du narrateur. Nous pensons que nous pourrions y trouver les réponses à nos questions. La tour du narrateur ? J'espère qu'on ne va pas à nouveau se retrouver encerclés de chevaliers pointant leurs armes vers nous. Là, par exemple, le petit brasier. Je vois. Puisque vous enquêtez au nom de l'inquisiteur Garnett, les choses sont différentes. Vous pouvez passer. La tour se trouve droit devant vous. J'insiste même pour que vous vous y rendiez. Je pense qu'il s'y trouve des énigmes que vous seul pourrez élucider. Pour notre bien à tous, je vous prie d'accomplir votre quête. Prouvez-nous qu'il y a encore une raison de croire qu'il y a un futur à Labyrinthia. Capitaine, vous pouvez nous faire confiance. Nous ne vous décevrons pas. Allons-y, Luc. La tour du narrateur se trouve droit devant nous. C'est parti, professeur! Ça y est, la voilà! Comment est-ce qu'on peut y accéder? Je pense qu'il faudrait poser la question à notre fidèle compagnon. Ah mais oui, bien sûr! Oh là, oh là, il a dit trop de choses, là, d'un coup. Alors, comme ça, il y a un chemin. Il dit qu'il y a un chemin qui mène à la tour à l'arrière du bureau du narrateur. Ah, parfait. Nous avons un très bon guide, à ce que je vois. Il a dit, vous n'avez aucun souci à vous faire tant que je suis là. Et il a ajouté que nous devrions plutôt nous en faire pour l'apprenti avocat. J'espère que Monsieur Wright et Maya vont réussir à trouver des indices. Je ne me fais pas de soucis pour eux. Je suis sûr qu'ils s'en sortiront très bien. Tu ne crois pas ? Ah si, bien sûr ! Monsieur Wright est vraiment quelqu'un de bien. Il se bat toujours pour aider ses amis. C'est quelqu'un d'admirable. Je suis tout à fait d'accord, Luc. C'est un jeune avocat de talent qui a le cœur sur la main. Je suis convaincu que tout se passera bien pendant le procès. Ah oui, moi aussi, hein. Et puis, il y a Maya avec lui. Elle est toujours si forte et courageuse. Elle est pleine d'énergie. Parfois, un peu imprévisible, mais tellement gentille. Nous avons beaucoup de chance de les avoir avec nous, en effet. Je suis très heureux de les avoir rencontrés. Pas vous, professeur ? Oui, moi aussi, Luc. Monsieur Wright et Mademoiselle Fay sont des amis sur qui nous pouvons toujours compter. En même temps, je dois dire que l'inquisitrice Aurora est une adversaire redoutable. Elle ne fera pas d'erreur. C'est pour cela que nous devons tous travailler ensemble. Et moi aussi, n'est-ce pas ? Mais bien sûr, je n'y arriverai pas sans toi, Luc. Je ferai de mon mieux, professeur. J'en doute pas une seconde. Elle est vraiment très impressionnante, en effet. Surtout au clair de lune. Cette tour enferme un indice crucial, pas vrai, professeur ? J'espère bien, Luc. En tout cas, nous ne sommes pas les seuls à le penser. L'inquisiteur Garnett semblait en être convaincu. Oui, c'est vrai. C'est d'ailleurs pour cette raison que Brasier nous vient en aide. Voici donc la tour où vit le narrateur. Celle où personne, pas même les chevaliers, n'a jamais pu entrer. Les mystères planent sur cette tour, un peu comme le bois enchanté. En effet, ces bois regorgent de mystères. Oui, tout comme les ruines souterraines. Je suis sûre que le narrateur connaissait l'existence de tous ces endroits. J'aurais aimé l'interroger au sujet de ces lieux. Ne t'en fais pas, il est fort possible que nous puissions en apprendre davantage une fois que nous serons à l'intérieur. Quoi ? Je crains que nous ne trouvions quelques pièges à l'intérieur. Nous allons devoir être extrêmement vigilants. C'est compris, professeur. Que dis-tu ? Tu as accompli ta mission ?
Il dit qu'il se fait du souci pour son maître et qu'il souhaite retourner auprès de lui à présent. Nous n'aurions pas pu arriver jusqu'ici sans son aide. Mais à présent, nous pouvons continuer sans lui. Il dit que nous sommes ceux que son maître a choisi pour accomplir cette mission. Aussi, il sait qu'il peut nous faire confiance. Merci beaucoup, Brasier. Merci pour ton aide. Ah oui, merci pour tout. Fais bien attention sur le chemin du retour. L'inquisiteur Gardet chérit cette cité plus que tout au monde. Il a fait de son mieux pour la protéger. Nous ne devons pas l'oublier, Luc. Il est de notre devoir de nous battre jusqu'au bout, pour lui et pour tous les habitants de la cité. Oui, je suis prêt, professeur. Ok. Alors, on rentre. Oh, attendez, hop, une petite pièce. Voilà. Yes. Ah oui, elle est très grande la tour. Ah oui, d'accord. Ah d'accord. Bah allons-y. Ah, une énigme. Tiens. Il semblerait que les mécanismes mis en place pour protéger la tour soient toujours en état de marche. Est-ce que ça veut dire qu'on ne pourra pas entrer ? Non. Il suffit de résoudre l'énigme qui se cache derrière son fonctionnement pour pouvoir entrer. Alors, somme magique. Devant vous se trouvent 12 gemmes numérotées de 1 à 12. D'accord ? Vous verrez aussi 3 triangles contenant déjà des gemmes. Ces dernières ne peuvent pas être déplacées. Et utilisez les gemmes restantes et faites en sorte que la somme des gemmes sur le périmètre de chaque triangle soit égale à 39. D'accord. Atteignez 39. Ah, ça va être bien. Donc là déjà ça fait 10. Et j'ai 3 emplacements. Alors... donc 6, 3, 9 et 1, 10. Donc pour aller jusqu'à 39, il me manque 29. Là, ça me ferait 22. Ouais, mais c'est pas possible. Il me manque encore... Alors attendez. Ah, mais 10 et 7, alors faudrait que je mette quelque part. Attendez. 10 et 7, alors. 10 et 7. Et là, on a bien 39 sur. Ah! Donc, premier triangle validé. On est bien à 39. Donc là, qu'est-ce qui manque? Je fais le deuxième là où il y a le 19, 7. Alors. Alors, 10, 9. 10. Oh là, il y en a beaucoup trop là, attendez. Là, il faut que je mette juste 2 alors. Ok, donc là on est à 39, et là le dernier, donc 9, 8, 2, donc 19, 1, 19, 20, 21, 22, 24, 24, ah bah après, bah je m'en fiche, après je mets les deux autres, qu'est-ce que je m'embrouille. On est bon là? Yeah! Pas très compliqué. On est bon. Je connais déjà la réponse. Moi aussi. Les énigmes sont faites pour être résolues. Pas parfait.
Bonne réponse. La porte s'ouvre et un étrange silence à glacer le sang s'installe. Qu'est-ce qui vous attend de l'autre côté? Je ne sais pas. Vous avez réussi, professeur! Professeur? Tu ne trouves pas cela étrange, Luc? Nous avons dû franchir le poste de garde et la porte pour arriver jusqu'ici. Cela devrait suffire à dissuader d'éventuels intrus. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de chevaliers au poste de garde en général. Et en plus de tout cela, il a jugé nécessaire d'installer un mécanisme sur la porte. Porte à croire qu'il y a quelque chose d'une grande valeur caché à l'intérieur. Oui, allons-y, professeur.